Un but pour l'emploi est une activité organisée aujourd'hui à Châteauroux, à l'IFR, par la Ligue Centre-Val-de-Loire. Elle rentre dans le cadre des activités fédérales, puisque la fédération, depuis quelques années, développe les activités citoyennes et sociales afin de donner un autre visage au football. La Ligue Centre-Val-de-Loire a décidé de s'approprier le projet, de le faire au CTR à Châteauroux. Donc nous avons contacté la mission locale et Pôle emploi, nous avons travaillé en commun, ce qui a permis aujourd'hui 17 entreprises de venir sur le site et de recevoir environ une cinquantaine de personnes qui sont à la recherche d'un emploi. L'idée de venir ici, je trouve que c'est une réunion très intéressante car ça nous permet de voir plusieurs entreprises forcément qui ne correspondent pas à notre demande, mais qui nous permet de voir plusieurs choses, se diversifier. Et notamment, moi ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont proposé des activités après ça. Et je trouve que ça rassemble plus de gens, car le sport, ça rassemble. C'est quelque chose que je trouve qui est bien parce qu'on voit directement les futurs employeurs. On n'a pas l'habitude de voir forcément, lorsqu'on dit directeur général ou autre, on imagine des personnes en costume vraiment assez carrées et c'est difficile de les imaginer en train de taper dans un ballon. Cette séparation entre le côté professionnel et le côté je reste un être humain malgré mon poste dans l'entreprise, c'est assez amusant. On a beau travailler, avoir différents postes, être plus ou moins élevé dans la hiérarchie, on n'en reste pas moins, on peut être tous des passionnés de sport. Aujourd'hui on participe à la journée Un but pour l'emploi pour essayer de retrouver du monde. Pourquoi ? Parce que le magasin, la grande distribution, est un perpétuel turnover. Donc on a toujours besoin de personnel qualifié ou non. Dans notre métier. Le format d'aujourd'hui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça coupe un peu ce qu'on voit habituellement. Et, protocolaire entre guillemets, aujourd'hui c'est plutôt un côté convivial avec la partie sportive qui arrive derrière et à petit format.